would choke you down just like a pill. Non. Et bien bonjour à tous les amis, c'est GX. Donc aujourd'hui une facecam comme promis, parce que vous avez vraiment explosé le record de likes. Voilà, vous êtes 3500 à avoir liké et j'en avais demandé 2500. Donc merci infiniment les mecs. Donc aujourd'hui unboxing du colis qui est juste derrière moi. Voilà, un colis qui ressemble fortement à un colis intercepté par la douane. Voilà, et ce qui m'intrigue dans ce colis, c'est que voilà quoi, on dirait il a fait 5 vérifications de douane et tout. Enfin voilà, un peu bizarre ce colis. Je sais que c'est un clavier, il y a marqué Keyboard Gaming dessus. Bon bref, je suis en facecam, mais ça m'empêchera pas quand même de prendre mon téléphone pour filmer la vidéo comme je fais d'habitude. Alors vous allez me voir tenir mon téléphone tout le temps, mais c'est comme ça que je fais un unboxing, donc voilà. Vous allez voir un peu ma tête pour un petit peu toutes les réactions. Juste avant, n'hésitez vraiment pas à exploser le record de likes parce que vous avez été énormément à liker. Et là, je vous en demanderai 4000. Donc franchement, merci infiniment à tous ceux qui likeront. Ça me ferait super plaisir les amis. Bon bref, on va commencer à unbox ce colis. Donc je vous arrête là les gars. Juste avant de toucher au colis pour l'ouvrir, n'hésitez vraiment pas à vous abonner tous. On est bientôt aux 100 000 abonnés, c'est un truc de malade. Donc voilà, regardez juste si vous êtes abonnés. Et si c'est pas déjà fait, je vous invite tous à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça prend 2 secondes, vous êtes tous les bienvenus. Et voilà, c'est très important pour recevoir toutes les notifications. Et si vous n'avez pas de compte YouTube, créez-en un, ça prend quelques secondes et ça va vous changer la vie. Donc abonnez-vous tous les amis. Maintenant je vous laisse 3 secondes pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Abonne-toi. Alors voilà, il est comme ça, il est assez grand. Enfin je veux dire il est assez long, mais il est pas épais on va dire. La longueur là je sais pas comment dire, mais là vous voyez c'est pas épais par rapport à un clavier. Je ne sais pas comment il va être, mais bref, j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu petit le clavier. Bref les amis, on va se munir du couteau CSGO qui se trouve juste ici. Voilà, on va l'ouvrir. Oh merde, j'ai eu peur. Bon là le problème les amis, c'est que bah il y a masse plastique et voilà. Bah c'est pas le plus écologique, mais voilà, il y a masse plastique. Regardez, il y a du scotch rouge partout ici. Il y a encore, waouh, je sais pas, mais je trouve c'est énorme. On va essayer de l'ouvrir avec une main. Ok, ça commence bien. Ça commence bien. Au passage, ceux qui restent jusqu'à la fin, je leur ferai gagner des claquettes. Donc franchement, restez bien jusqu'à la fin les amis. Et puis voilà. Voilà les amis, j'essaie de m'améliorer un petit peu. J'essaie de m'améliorer un petit peu sur les plans. Je vais faire des plans assez stylés. Genre comme celui-là, au lieu de le tenir et que ça vibre un petit peu, bah là je l'ai bien posé avec un petit trépied. J'espère que ça vous plaît. Même si mon matériel c'est pas non plus le truc le plus pro au monde. Mais voilà, j'essaie quand même de me démerder. Dites-moi si vous voyez la différence ou pas par rapport à avant. Par contre, en l'occurrence là. Voilà, j'ai dit c'était du plastique et ça casse vraiment les couilles parce que c'est ultra difficile à arracher. Ça va vite m'énerver. Et frère, c'est quoi ça? C'est pas un colis vraiment, ça c'est... Bon, on dirait que hey, c'est un stage en boucherie ou un colis que j'ouvre là. J'avais une sale tête. En parlant de sale tête, tiens, sur ma dernière vidéo, j'avais vraiment une sale tête et j'avais même pas remarqué que j'avais des cernes. Et j'ai vu qu'au moment de poster la vidéo. Donc voilà, dites-moi si vous avez vu mes cernes ou pas, si c'était flagrant ou pas. Mais c'est n'importe quoi. Aussi, peut-être que je suis pas stratégique pour ouvrir ce colis, mais. Oh, j'en ai marre, je dois faire tout le tour comme ça. Oh putain, je vais commencer à transpirer là. Vous êtes prêts? Vous voyez ma réaction en plus là. Ok. Dégage toi. Et pour... En fait, je fais tout ça pour qu'il reste encore du plastique dessus. Non mais c'est dingue. Il est collé mais... Et c'est de la torture. Ah voilà. Ok, pourquoi? Bon les amis, voici le clavier, c'est un clavier blanc. Qui m'a envoyé ce clavier? J'ai aucun souvenir. Qui est... Vraiment, pour l'instant, j'ai aucun souvenir de quelqu'un qui m'a contacté en mail pour m'envoyer ce clavier. Mais voilà, c'est un clavier blanc. Et non, c'était pas un clavier rouge. En tout cas, déjà, le packaging, ça me fait penser à un Razer. Parce que regardez, on dirait du papier un peu glacé ici. Regardez, vous voyez, la lumière se reflète sur le produit. Comme sur un produit Razer, en fait. Et ça, c'est cool. C'est super cool. Bon, en tout cas, les amis, on va l'ouvrir. Et ça me fait penser sincèrement à Logitech ou à la Wii U, ou je sais pas. Genre le blanc et le bleu comme ça, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, moi, ça me fait penser à une autre marque. Je sais pas si je tremble trop, mais ça va, le Galaxy S8 ne prend pas trop en compte. Enfin, essaie quand même de réduire les vibrations. Ok, ok. Là, ça fait bugger mon cerveau. Il y a un truc pour protéger les touches et c'est vraiment pile les bonnes touches, quoi. C'est bien foutu. En tout cas,
Ok. Et ça c'est le truc le plus important. Switch rouge, effectivement c'est un switch rouge quand même. Wesh, il y a un clavier, il y a un truc on off là. What the fuck? Wesh, wesh. Mais frérot, il s'est allumé. Wesh, qu'est-ce qui se passe? Oh il est, oh il est Bluetooth. Il est Bluetooth. C'est trop stylé. Wow, mais qu'est-ce qui m'a envoyé ça? Là on va garder la notice parce que comme c'est Bluetooth, je pense qu'on va galérer. Ah oui, wireless. Mais je crois que ça veut dire Bluetooth, enfin un bail comme ça. Mais c'est pour ça que j'avais pas capté, j'ai vu wireless et j'ai fait attends, il y a un bail là. Ok, donc voilà, le clavier est déjà allumé, il est déjà dans la boîte. Enfin il est dans la boîte mais il est déjà allumé. Donc on va le prendre comme ça. Attendez. Wesh, mais comment il change de mode? Il fait tout seul le clavier. Mais what the fuck. Et ensuite on a le câble au cas où, enfin pour le recharger et tout. Et ensuite, wesh. Ah ça c'est, ah ouais. Ah, oh ça déconne pas, oh c'est archi stylé. Et ça c'est quoi? On dirait un truc pour les guitares là, what the fuck. Normalement il y a un truc USB pour connecter. Hey. Voilà. Faut faire comment? What the fuck, ok. Super, on a ce qu'il faut. Voilà les amis, on va prendre le clavier, on va le mettre là. Je l'ai bien clipsé. Ça fait un peu plastique, mais vas-y, c'est bon. La texture, bah, c'est vraiment du plastique. Pour le repose-poignet, je parle. Ici, ça a l'air d'être un petit peu de la ferraille. Ouais, c'est froid. C'est froid, c'est bien de la ferraille. Et bah, moi, je trouve que ça rend stylé. J'ai pas l'habitude d'ouvrir des claviers blancs. C'est même la première fois, il me semble. Ok, donc ça, c'est un petit message de remerciement. Et c'est la prise la plus dégueulasse, là. Hop. Ah, parfait. Et bah, écoutez, ça écrit directement. Ça, c'est fou. Vous pouvez voir que ça écrit directement. Voilà, celui qui trouve ce que j'ai écrit, et bah il gagne 3 V-Bucks. Et bien re les amis, j'ai donc positionné tout ce qu'il faut, le clavier, ma sale tête et Fortnite Battle Royale. Déjà ce qui est stylé c'est ça, regardez les amis. C'est vraiment les effets, je trouve ça super stylé, vraiment sur la cam ça rend très très bien. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, on est presque aux 100 000, il reste environ 2000 abonnés pour atteindre les 100 000. Donc n'hésitez vraiment pas les amis, faites-le. Voilà, ça prend 2 secondes, donc n'hésitez vraiment pas si vous n'êtes pas déjà abonné, et bah faites-le. C'est très important les amis, je compte vraiment sur vous, faites-le maintenant. Ça mange pas de pain comme on dit, ça me motive et puis au moins vous serez au courant de tout ce que je fais, genre sur YouTube, de tout ce qui sera posté et tout, c'est vraiment parfait. Et tiens, en parlant de ça, n'hésitez pas aussi à activer les notifications, ça me ferait super plaisir les amis. Bref, voilà, j'ai tout dit, abonnez-vous, c'est très important les amis. Et si vous n'avez pas de compte YouTube, créez-en un, c'est très important, c'est rapide, c'est facile et puis au moins vous verrez que c'est très utile. Bon écoutez, il a l'air de vraiment plutôt bien fonctionner pour un clavier Bluetooth. J'ai peur qu'il y ait des petits bugs, mais visiblement pour l'instant il n'y a pas de petits bugs. Il a l'air vraiment très réactif quand même. Je voulais vous dire aussi les amis que j'ai vu qu'il était en QWERTY mais ça écrit en AZERTY. Donc voilà, pas d'inquiétude, il y a juste à changer les touches de place. Bon ça c'est chiant je vous avouerai. Mais voilà. Ok 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 ok. Est-ce qu'il me voit quand même? What the fuck? Ah. Oh. Est-ce que je refais la même? Ah. Non. Les points négatifs de ce clavier, ce sont dans un premier temps que c'est mal expliqué, genre c'est écrit en chinois. J'ai galéré un petit peu, mais voilà, il y a plus de chinois que d'anglais, alors que je sais pas, c'est logique de le faire un petit peu en anglais et en chinois. Et ensuite, c'est tout simplement le fait que ce soit posé en QWERTY, les touches soient posées en QWERTY, même si c'est en AZERTY sur le clavier, mais c'est un peu chiant quoi. Voilà, tête de la merde que je peux plus edit. Allez, cher. Ah ouais les mecs, dites-moi si vous êtes sur PS4 ou PC ou Xbox ou je sais pas quoi. Enfin dites-moi votre plateforme. Non frérot. Non. Mais c'est quoi ce trou de balle de merde? Mais... Ouais je vais casser quelque chose. En fait mon but c'est de récupérer le tremplin qu'il y a juste à côté. Mais what? Ah tiens, toi, t'as cru quoi? Rien n'est gagné, les amis, rien n'est gagné. Ils ont l'air pas très réactifs à ce que je vois. Ah ouais, ok. Je vais... Ah non, c'est bon. Moins 1. Le dernier ou pas? Le dernier ou pas? 10. Oh putain, ça fait mal.
les amis. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce qu'il prend lui surtout? Il est encore plus paniqué que moi, j'ai l'impression. Non. Les mecs, c'est n'importe quoi! What the fuck? Aze! What the fuck? Oh, je suis mort, il m'a épuisé mentalement, gros. Oh, le mec, il voulait trop gagner. Oh, la tête de ma mère. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, les mecs. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Pour ce petit top 1, abonnez-vous tous, les amis. Et puis voilà, road to 100 000 abonnés. Et une fois aux 100 000 abonnés, bah, je verrai ce que je ferai. Et j'ai peut-être quelques petits cadeaux pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter. Vraiment très important. À commenter, les amis, c'est très important. Vous êtes restés jusqu'à la fin, donc n'hésitez pas à marquer un petit commentaire sympa. Ça pourrait me faire super plaisir. En tout cas, les amis, c'est fini. La vidéo est finie. Bisous à tous. Merci d'avoir regardé. Je vous kiffe. C'était GX, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.